m'appelle Charlotte, j'ai 21 ans et je suis étudiante en gestion hôtelière en dernière année. Et j'ai décidé de réaliser mon stage de fin d'études en France dans une station de ski qui s'appelle les Deux Alpes. Et comme vous pouvez voir, il y a quand même pire comme endroit pour faire son stage. Alors, partir à l'étranger pour faire mon stage de fin d'études a toujours été un projet, autant pour moi personnellement que professionnellement. Personnellement, parce que ça m'a permis de vivre en autonomie, toute seule, de découvrir un nouvel environnement, de nouvelles personnes. Et professionnellement, parce que j'ai eu l'occasion du coup de travailler dans un hôtel avec une équipe jeune et dynamique qui m'a tout de suite très bien intégrée. Et ses collègues maintenant sont une belle bande de copains avec qui je peux skier pendant mes temps libres ou sortir le soir pour décompresser après le travail. Pendant mon stage, j'ai eu l'occasion de réaliser toutes les tâches qu'un manager d'hôtel peut réaliser, que ce soit de la gestion d'hébergement à la gestion d'événements. Ça m'a permis d'avoir un contact avec les clients directement à la réception, gérer les check-in, les check-out. Mais ça m'a également permis d'améliorer mon anglais. Parce que ici en station de ski, c'est vrai qu'on a, y a beaucoup de clientèle étrangère. Et ça m'a permis de pratiquer et j'ai pu aussi constater une amélioration de mon anglais. Si vous avez l'occasion de partir à l'étranger pour faire votre stage de deuxième ou de troisième, franchement faites-le parce que c'est une expérience de fou. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes, un nouvel environnement, des nouvelles cultures et franchement c'est que enrichissant. Ok, let's go.